Vous êtes nombreux à vous demander ce que change le prélèvement à la source pour vos dons aux associations. La réponse est simple, ça ne change rien. Vos dons sont toujours déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu. Démonstration. Fin 2018, comme chaque année, vous faites un don de 100 euros à votre association car vous croyez en sa cause et qu'elle a besoin de vous. Au 1er janvier 2019, entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Rien ne change. Votre don de 100 euros vous donne toujours droit à un crédit d'impôt de 66 euros. La nouveauté, c'est que dès mi-janvier 2019, vous allez recevoir une avance de 60% de votre réduction d'impôt. Vous recevrez donc par virement 39,60 €, c'est-à-dire 60% de 66 euros. En mai 2019, vous remplirez comme chaque année votre déclaration de revenus et vous y indiquerez votre don de 100 euros. En juillet 2019, l'État procède aux régularisations. Si votre don est équivalent à celui de l'année précédente, l'État vous reversera un crédit complémentaire de 26,40 €, soit 40% de 66 euros. Attention, si vous ne faites pas de don en 2018, vous devrez rembourser l'avance reçue en janvier. Chers amis, je voulais d'abord vous remercier de la confiance que vous faites à l'Église et des dons que, généreusement, vous lui prodiguez depuis si longtemps. Bien sûr, il est normal que vous vous posiez des questions, mais je vous rassure, rien ne sera changé. Il y aura toujours les mêmes réductions d'impôts à partir de ce que vous donnerez, soit 66%. Aussi, je compte sur vous pour que nous puissions continuer à exercer notre mission dans l'enthousiasme et dans la joie. Merci à tous.